On a déjà validé la victoire à Saint-Étienne 15 jours avant. Et je dirais que oui, elle fait du bien. Après, elle est surtout là pour confirmer une progression au niveau du jeu, au niveau de ce que peut faire l'équipe. Et ça c'est vraiment le point positif au-delà de la victoire. Il y a plusieurs choses, effectivement. Le groupe est en confiance actuellement. Ces deux victoires font du bien, ça c'est sûr. Après, on ne se focalise pas forcément sur Bordeaux ou le Paris FC. Par rapport à notre début de saison qui est en dents de scie, l'important c'est de rechercher la performance et de rechercher un certain niveau de jeu. Et finalement, que l'on joue Saint-Étienne ici, Bordeaux PFC, l'idée c'est d'être vraiment performant et d'aller là où on veut aller. Si on l'est, si on réussit notre coup, on est capable de prendre des points, bien entendu. Et moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Et je ne pense pas au match suivant. Je pense vraiment à celui qui arrive. Je dirais que le groupe, tout d'abord, est un peu en format reconstruction par rapport à la saison dernière. Et tout le monde est impliqué. Ça, c'est important. Depuis la première séance en préparation jusqu'à aujourd'hui, je sens une vraie implication. Il y a eu quelques blessures. On a eu du mal à trouver finalement une équipe. On a intégré des jeunes et ça me parle et c'est important aussi pour le club, pour la structure, de montrer que tout le monde a sa chance. Et ces jeunes, elles ont aussi répondu présent, donc ça c'est bien. De manière générale, j'ai un groupe qui bosse, qui est à l'écoute, qui a envie de progresser, qui a envie de faire quelque chose de bien. On est dans une situation où tout le monde nous a un petit peu oubliés. C'est pas grave. C'est à nous de montrer aussi que Montpellier peut être vite de retour et à travers les performances, retrouver pour moi un standing qui ressemble à Montpellier. Et je suis vraiment heureux du contexte, heureux de ce que fait l'équipe, même si on attend plus. Et elles le savent, je suis exigeant par rapport à ça. Mais laissons le temps, la saison est longue. Et c'est vrai, il ne faut pas le cacher, on a raté un ou deux matchs qui ne nous ont pas permis de prendre les points voulus. Mais aujourd'hui, on est proche. On joue une équipe qui est favorite pour moi parce qu'elle est européenne en début de saison. Elle a terminé troisième la saison dernière. Et c'est un nouveau match qui arrive. Tout le monde progresse. Donc maintenant, à nous de confirmer par des points contre Bordeaux.